seulement 7% de retransmissions sportives féminines étaient vues à l'écran et qu'effectivement c'était très insuffisant comparativement au sport masculin. On en est encore à ce que les médias disent « estimez-vous heureux qu'on parle de vous » puisque médiatiquement le buzz se fait moins bien que sur les garçons. Même s'il y a 90% de garçons, c'est pas avec les garçons qu'on fera tous ces résultats. Pour certains garçons, c'est pas normal qu'une fille gagne autant. À quel moment notre société va considérer que femme elle a autant sa place sur un terrain de sport que dans un bureau ou à la maison? Pour avoir une visibilité, la priorité c'est quand même les réseaux sociaux. Mon salaire il vient de mon travail d'ingénieur en informatique et le vélo, je gagne très très peu d'argent sur le vélo. Le sport professionnel féminin est au démarrage. Il faut qu'on donne, si vous voulez, des contrats qui soient des contrats décents. Si vous voulez de l'argent pour faire vivre le cyclisme féminin, il faut passer à la télévision. Je pense à Florence Artaud. Quand elle a gagné la route du Rhum, on a dit « c'est une femme ». Quand Loïc Perron gagne une compétition, on ne dit pas « c'est un homme ». J'écoute, j'intéresse personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, je suis une fille, donc dans le monde du vélo, c'est compliqué d'être une fille, mais en plus une fille handicapée, alors là, je cumule les handicaps.